Salut les amis, c'est Secrets Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de notre carrière suivie sur Farming Simulator 17. Et moi, Et donc, nous revoilà sur cette fameuse petite carrière suivie donc de sur FS17, tout simplement. Et bien, il y a eu du changement. Je pense que vous avez pu le voir dans le titre, puisque déjà, premier changement, on a changé de voiture. J'ai pris ce pick-up là. Voilà, je trouvais qu'il était franchement, je le trouve vachement beau depuis que j'ai le jeu, tout simplement. Je le trouve vachement beau. Donc voilà, j'ai pris, je l'ai pris, voilà. Donc en noir et bleu, hein, bon, c'est original, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a eu beaucoup de changements aussi. C'est comme vous voyez ici, on a un premier mode, donc un nouveau tracteur, un John Deere 6810. Donc là, il est attelé derrière avec un Grissem. Donc voilà, deuxième petit changement. Ensuite, on a un Lemken ici, donc un autre cultivateur qui nous permet tout simplement de cultiver la terre, hein, j'ai envie de vous dire. Ici, on a un Massey Ferguson 7719 attelé au. Bon, il n'est pas attelé là, mais lui va plus principalement derrière le semoir. Ici, on a le Massey Ferguson 5613 attelé au Caruel Nicolas, donc le pulvérisateur. J'ai acheté aussi plusieurs, comment ça s'appelle, palettes, tout simplement. Donc ici, c'est les engrais, il me semble. Les palettes de sacs en semences sont les vertes, et puis là oui, c'était de l'engrais solide. Voilà, les bleus c'est les engrais solides. Donc voilà, ici bon, j'ai rajouté un petit silo tout simplement d'engrais liquide pour le pulvérisateur. Ici j'ai rajouté un bâtiment avec la fameuse presse que j'ai loué tout simplement dans le début de la carrière. Et ici j'ai acheté le Kuhn GA, donc un enduneur. Parce qu'en fait j'ai fauché ici la petite parcelle là, enfin petite parcelle. Donc le bâtiment aussi est nouveau, je voulais regarder. Ah d'accord, on peut allumer les lumières. Ah génial. Ah oui d'accord, génial, ok, bon super. Donc là-bas il n'y a pas de changement, donc on a toujours notre fameux petit plateau hein, que j'ai ramené ici, que j'ai sanglé, j'ai ramené les bottes qui étaient là. On a toujours nos deux bennes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, on a un nouveau Farmer 310 LSA. Voilà, tout simplement. Qui est attelé à la faucheuse. Donc lui, ça sera vraiment pour les travaux de fauche, etc. On a un petit... petite fourche transpalette. Ici, donc, on a nos balles de foin. Et puis, tout simplement, la fourche à balles. Ainsi que le New Holland. Et ici, là, on a toujours nos boules qu'il faudra que je ramasse un jour. Donc, j'ai acheté aussi un champ. Donc, le champ, si je ne me trompe pas, on en a 3. Donc, 1, 2, 3. Le champ 16 que j'ai acheté. Et je vais en acheter un avec vous. Je vais vous montrer après en même temps le champ 16, à quoi il ressemble. Donc, je vais pas jouer au clavier, au volant, pardon, parce que sinon vous risquez de l'entendre beaucoup. Donc, moi, c'est pas ce que je veux, si vous voulez. Je préfère jouer au clavier à la limite, voilà, que le gameplay soit pas trop génial en quelque sorte. Mais voilà, qu'on évite à la limite. Ouais, je vais quand même essayer de jouer au volant. On verra bien ce que ça va donner. Alors, bon, j'hésite entre celui-là, parce que celui-là, il est quand même à côté de la ferme. C'est le champ. Mince. C'est le champ 19. J'ai l'impression qu'il est semé. Donc le champ 19, il est semé en soja. Donc à la limite, lui, il m'intéresse. Voilà, donc je vais lui acheter. Voilà, donc il a été acheté. Ensuite, je sais pas quel autre champ. Parce que je veux en acheter plusieurs. Mais alors, quoi comme champ? J'ai pas de champ de maïs moi, donc à la limite acheter un champ de maïs. On verra bien. Si je crois que j'en ai un. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Alors, bougez pas. Je vais regarder lequel et puis je vous retrouve.
Donc, re les amis, il me semble que j'arrive à un champ de maïs ici. Alors, est-ce qu'il a été acheté? Oui, j'ai l'impression qu'il est acheté. C'est le champ 25, il est à nous. Donc, champ 25, ok. Et puis, j'essaie d'aller voir par là-bas, voir ce qu'on pourrait nous proposer. Parce que lui, là, c'est un champ aussi qui me plaît bien. J'aime bien la forme qu'il a. Donc, hop, je vais regarder. Comment que ça s'appelle? C'est le champ 17. Et en champ 17, on a de l'orge. Donc allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Lui, bon, après, on va peut-être pas non plus acheter trop de champs non plus, parce que bon, après, trop de champs, ça va pas quoi, hein. Il faut pas non plus acheter trop de champs, parce que bon, c'est vraiment faut vraiment essayer d'en acheter le moins possible pour l'instant, pour économiser. Donc voilà, hop, on s'en fiche, on traverse. Alors hier, pardon, j'ai sorti une vidéo, comment ça s'appelle, tout simplement, où tout simplement, eh bien, il y avait les joueurs, enfin pas les joueurs, mais les piétons, qui étaient transformés en zombies. Donc c'est quelque chose, un petit. Donc là, ils sont plus, c'est plus du tout en zombies, hein. Je tourne la vidéo le 1er novembre. Mais c'est quelque chose, franchement, qui était pas mal, franchement. Ça rajoutait un petit, une petite touche d'humour, quand même, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on n'avait pas ça dans le 15 et puis dans le 13. Tout simplement, donc, c'est une petite touche d'humour, j'ai envie de dire. Je pense qu'ils avaient envie de. Hop, envie de rajouter. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Franchement, c'est vrai que c'était très sympa de le découvrir comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Alors, on va faire une petite capture d'écran. Voilà, nickel. Donc, j'ai essayé de faire un live pour cette carrière suivie là, mais je sais pas pourquoi, j'arrivais pas du tout à liver. Donc du coup, je me suis dit bon, bah c'est pas grave, on va abandonner aujourd'hui. Hein, on va pas liver tout de suite, on va pas liver pour aujourd'hui quand même. C'est dommage, je voulais faire un petit live, mais bon, hein, on va faire avec. Donc ici, hop, je garde la voiture là, voilà. Et on va aller voir si les poules ont des œufs. Est-ce que les poules. Ouais, il y en a un. Donc j'en ai récupéré un. Deux, trois. Ah bon, il y en a plein. Alors les œufs, je sais pas du tout où est-ce qu'on les vend. Je sais pas du tout. Là, j'en ai vu un par là. Là. Ici. Donc ouais, les œufs, je sais pas du tout où est-ce que ça se vend. Je pourrais pas vous montrer en vidéo parce que franchement j'en ai aucune idée. Alors J, on va regarder en regardant l'air voir si on voit aucun œuf encore. Alors normalement après un truc plus simple c'est qu'on va là œuf dans le poulailler 1. Il y en a encore une, encore un. Bon, je vais essayer de le trouver, puis après, au pire, dans le pire des cas. Bon, je vais essayer de le trouver plus tard. Mais voilà, bon, on va pouvoir faire de bonnes omelettes ce soir. On va mettre ça dans la voiture, puisqu'il faut que j'aille apporter ça à ma tante. Voilà. Donc voilà. Bon, je vais pas faire une vidéo très très longue non plus, hein. Je pense que je sais même pas combien de temps est-ce que je suis de vidéo. Donc voilà. Donc bon, c'est tout. On va dire c'est tout pour ce petit épisode-là. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Hein. Franchement, je suis vraiment désolé, j'ai pas fait une très longue vidéo non plus, mais bon voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine les amis. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Puis ciao tout le monde. C'était The Crazy.